Merci, merci de vous asseoir. Léon, on te présente Camille, hein, on t'attend pour épouse. Allez, faut me lâcher, maman. Voilà. Allez, on la lâche. Allez, bisous, ma chérie. Marie, tu peux faire un mot en disant, il y a un photographe qui est là. Merci de te rencontrer. Papa, va chercher. Ils vont chercher une chaise. Adrien, tu peux y aller? Adrien, tu peux y aller? Non, attends, ils vont vous mettre là, ils vont vous mettre là comme ça, ils vont mettre tout le monde là. Tout va bien. Waouh. Je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Vous aussi. Bonjour à tous, chères familles, chers amis, et bienvenue dans ce lieu magnifique. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'émotion que nous accueillons au domaine de Valouse pour célébrer le mariage de Camille et Léo. Dylan et moi serons vos maîtres de cérémonie et nous remercions infiniment nos chers mariés pour leur confiance. Une photographe et un vidéaste sont présents pour immortaliser ce moment et pour que cette cérémonie reste magique, nous vous remercions par avance de mettre vos téléphones en mode avion et de les garder dans vos poches. Je sais, ça va être très difficile. À toi de jouer, Dylan. Camille et Léo, il y a du sacré quand on s'unit devant un dieu. Aujourd'hui, Dieu, c'est nous. Si vous prenez place sur ces bancs, c'est que chacun revêt une importance particulière dans le cœur de Léo et Camille. On s'apprête à partager ce qui semble être le moment le plus important d'une histoire d'amour. Pourtant, après 10 ans, ce n'est pas une conclusion, c'est le début d'autre chose. Quelque chose de plus grand, encore qu'un oui devant l'éternel, cette chose qui vous fait rire, qui vous fait dire que vous allez vivre 100 fois 10 ans ensemble. Être témoin, numéro 1, de cette union m'a donné le sentiment d'entrer dans une famille que je n'aurais jamais pensé avoir il y a encore quelques années. Et pour ça, merci. Allez, on souffle. Léo, on a fait partie d'un groupe d'amis qu'on a depuis 20 ans, mais toujours les mêmes. Ce qui me fait penser que c'est exceptionnel, c'est qu'on est tous très différents. C'est différent pour se dire que
dans d'autres vies, chacun aurait pris une route différente. Pourtant, quelque chose nous attire encore les uns vers les autres. Le rugby, les histoires de vie, l'amour et parfois quelques actions nous rassemblent. T'as fait entrer Camille dans ta vie, puis dans la nôtre. Le chemin était long avant qu'elle accepte le fait que nous n'étions pas que des physiques, mais aussi des intellectuels. Merci Camille d'avoir eu le mental d'accepter nos défauts et nos lourdeurs. Merci d'être resté avec Léo. Une preuve, s'il en fallait encore une, de ta force mentale qui te caractérise toujours autant. Merci. Pour commencer les discours et continuer dans l'émotion, on va commencer par les parents de Camille. Je tiens à remercier dans le micro. Qui restera inoubliable pour les mariés. Ce n'est que l'aboutissement d'une vie commune longue de 10 ans, que de souvenirs et d'anecdotes concernant Camille remontent à la surface en ce jour. Camille était une petite fille adorable, pleine de vie, curieuse de tout, très obéissante, bien que quelquefois son petit caractère bien trempé faisait surface. Lors de ses colères, elle savait piquer où il fallait. Et quand elle n'était pas d'accord, elle me criait « T'es moche, t'es grosse et t'es vieille. » C'est cadeau. Elle avait tendance à scruter les gens longuement et là, le couperet tombait. Il fallait s'attendre au pire. Sa mamie n'a pas été épargnée non plus. Mamie, t'as des poils au menton. Mamie, t'as la peau qui pend. Elles sont où tes dents? Mais rien de tout ça n'était méchant. Elle adorait ses deux grands-mères et l'amour qu'elle leur portait était présent jusqu'à la fin. Pour son troisième Noël, Camille jetait ses cadeaux au fur et à mesure qu'elle les ouvrait, pleurait et criait « Il est où mon chien ?» C'est là que bébé Oliver est entré dans nos vies. À 4 ans, elle voulait déjà sa liberté. Elle a claqué la porte et partie sous la pluie avec 2 pulls dans un sac en plastique. Elle est vite revenue. Par la suite, nous avons eu un défilé d'animaux. Le caneton de Barbarie qu'elle prenait en pension le week-end et que je devais suivre à la trace avec du sopalin. Puis le lapin qu'elle promenait dans le panier de son vélo qui crottait partout sur le canapé. Les hamsters et les oiseaux. À 8 ans, elle me suppliait de prendre un chien maltraité par son maître et sûrement destiné à une fin tragique. Le soir même, on récupérait la laisse et Tango, 1 an, grimpait dans notre voiture. Je ne suis pas surprise qu'aujourd'hui, elle ait 2 chats et 1 chien. Camille était une élève studieuse qui ne supportait pas l'échec. Les maths n'étaient pas son grand fort et sa moyenne chutait à cause de ça. Et pour éviter ça, Camille nous demandait de faire les TP, la poésie, les dessins. Alors je m'y collais et la moyenne remontait. C'était un peu de triche, je reconnais. À 18 ans, Camille part en Australie en immersion totale. C'est pas grave, prends ton temps, le connais. C'est pas grave, prends ton temps. Excusez-moi, la feuille se plie, je peux plus. L'Espagne était plus près. Pourquoi faire compliqué quand il y a plus simple? Son désir de voyager était déjà là. Elle venait de rencontrer Léo quelques mois auparavant. Il est venu nous voir régulièrement et a été d'un grand réconfort pour nous. Il s'est accroché à leur histoire et a travaillé dur pour la rejoindre en Indonésie pour fêter son anniversaire. Camille, papa et moi sommes très fiers de ton parcours. Je termine bien sûr, Camille, papa et moi sommes très fiers de ton parcours, de la femme accomplie que tu es devenue,
de tes valeurs morales et humaines acquises au fil des années. Nous sommes heureux que toi, Léo, fasses partie de nos vies et que Camille ait trouvé une place dans ta famille si aimante. Nous sommes des parents comblés. Léo, prends soin de Camille comme elle prendra soin de toi. Aime-la comme elle t'aimera et sois-lui fidèle comme elle le sera. On vous aime. Beau résumé. Très très beau résumé. Très très beau, très beau résumé. De Camille. Ah oui, attention. Alors avant l'amour d'une femme, il y a l'amour d'une famille. Celle qui nous voit grandir, changer, se transformer. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à eux. Par leur présence et leur soutien. Donc maintenant, je vais demander à la famille de Léo de venir nous rejoindre. Tous ensemble. Tu fais avec un bâton, lui. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents. Merci pour nos enfants, Camille et Léo. On est très fiers d'eux et on est surtout très heureux de pouvoir vous accueillir nous aussi pour cette cérémonie. Alors, on l'a fait un petit peu différemment de Colette et Peter parce que nous, on va vous le chanter. Voilà. C'est pas tout à fait le mot juste. Mais presque. C'est les orchestres. Qu'est-ce que c'est que cette famille ? Elle fait l'éloge de son fils, sans suivre les droits chemins que les chignols prennent vers Rome. On choisit de vous le chanter, notre message tient en une phrase. Hé hey Camille, t'es d'accord ? Plus... Ah bon ? Moi j'étais parti. On recommence alors ? Allez, je comprends. Oui. Excusez-nous, c'est la technique. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que cette famille ? Elle fait l'éloge de son fils, sans suivre les droits chemins que les chignols prennent vers Rome. On choisit de vous le chanter, notre message tient en une phrase. Et Camille, t'es d'accord ? Plus beau minot, c'est Léo. À l'école, à Saint-Jean, Léo portait les cheveux longs. La maîtresse voyait double. Claire ou Léo ? Qui eut croire ? À Rieux-la-Pape, il a largué ses cheveux blonds. On se moquait pas. Mais maintenant, ces cocards sont fanfares. Léo kiffe Camille, et Camille kiffe Léo. Et si le soleil n'est pas franc, tant pis pour les photos. Un amour, un sillage, des nuages bordés d'or. Un amour, il s'engage, deux enfants sans trop peur. À Saint-Jean, son père l'emmène jouer sur le terrain. Il porte la balle au bal entre les pieds des piquets. Les seigneurs souhaiteraient que sa mère le garde dans son jardin. Car entre leurs jambes, il court marqué l'essai. Léo kiffe le rugby, à Rieux, il joue à l'aile. C'est pas un manche, passe assurée, appui de Chouanard. Cadrage des bords, troisième mi-temps, binouze la belle. Is de thé, oui, maintenant une fan, ziote ses écarts. Léo kiffe Camille, et Camille kiffe Léo. Et si le soleil n'est pas franc, tant pis pour les photos. Un amour, un sillage, du nuage bordé d'or. Un amour, il s'engage, deux enfants sont croupants. Gramoun, frère et sœur, Baron et Nain Catherine, Zotouticos français, Léo Palerme, Icos Créole.
Ces dallons de toutes couleurs, pour jouer au bord des ravines, l'Institut Gallipoli, cause français à l'école. Camille, dans les gradins, surveille les dérapages. Quand l'ailier quitte le stade et croise son regard, des étoiles dans les yeux disent l'envie de partage, car l'amour a ses ponts où les dallons n'ont pas. Léo quitte Camille et Camille quitte Léo. Il circule en scooter, slalom entre les autos, un amour dans le virage sans le ciel de banlieue. À Saint-Ouen, de leur nid, ils rêvent d'un autre lieu. Les parents de Camille sont coulosses. Les parents de Camille sont coulosses. Ils proposent tranquillos de dépanner leur toit. Leurs sentiments s'épanouissent entre les murs de l'appartement, l'amour dans le bercail et la table de roi. Léo, Camille, Toupaï, Patchouli et Billy piquent n'éveillent nul soupçon. Ils se préparent à bosser, gagner des bifons. Ils se préparent à signer pour un blaze ou deux noms. Léo kiffe Camille et Camille kiffe Léo. Et si le soleil n'est pas franc, tant pis pour les photos. Un amour, un sillage, des nuages bordés d'or. Un amour, il s'engage, deux enfants synchroporent. Ah ouais. Allez. Léo kiffe Camille et Camille kiffe Léo. Et si le soleil n'est pas franc, tant pis pour les photos. Un amour, un entourage, un ciel radieux et transparent. Un amour et deux enfants scellant à vie leurs sentiments. Bravo. Comment la chanson, elle revient un peu à Grand Corps Malade aussi. Donc moi je suis la belle-sœur, la femme du frère de Léo, Morgane, et en fait j'ai reçu un mot de ma mère, Lia, qui voulait que je vous dise aujourd'hui. C'est en anglais. Cool. Donc ma mère et tout le monde chez nous qui pense fort à vous aujourd'hui. Donc Léo et Camille and Billy, all the Radford girls and their families and I wish to congratulate you on your wedding day. We wish you happiness and health and great adventures. We are grateful to have had time at Morgan and Will's wedding to get to know you a little and appreciate Billy's antics. When I first met you, Leo, you were inquisitive, kind, long-haired boy of 13 who was assigned to take me on around the town for the afternoon. I remember you being very patient with my terrible French. And when you figured out what I was trying to say, you showed such delight for both of us. When I first met you, Camille, you were a student and I appreciated your feisty views. Je sais pas comment traduire ça. C'est pas grave. Oui, tes opinions très intéressantes et intelligentes. To both of you, may the delight and your feistiness be with you always as you continue on your special journey together.
We were all happy in you with you today on your special day. Donc ça c'est ma mère, Claire, Daphne, Courtney et moi. Et Marc qui est ici avec nous dans nos pensées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Léo, on se souvient tous de ton niveau de rugby. Tu n'as pas été vrai dans la musique. Camille et Léo, vous avez décidé de faire de nous vos témoins. C'est quand même une responsabilité très importante. Et pour ça, on est très reconnaissant. C'est pas une demande anodine, et c'est un message très fort pour nous. Après cette cérémonie, il y aura un peu de nous en vous. C'est un peu bizarre. Des enfants quand même. Alors, on a, de mon côté, on a Victor et Adrien, qui sont les témoins, les deux autres témoins de Léo, et Viviane. On a aussi Viviane, qui est un EVG aussi avec nous, que je vais inviter. Je vais d'abord inviter Victor à nous rejoindre. Il partage son petit discours. Alors, Léo, tu as débarqué d'Alsace au rugby à Rieux dans ta vieille Opel un peu déglinguée. Dans un premier temps, remplaçant à l'aile, tu es vite devenu un pilier de notre bande de copains. N'y voyez pas d'allégorie sur le physique. On a vécu de très bons moments lors de notre deuxième année junior avec la qualification en championnat de France contre les grosses équipes, mais aussi on a aussi vécu des défaites amères. Cela nous a plus soudés que divisés. La coloc au 115 rue Bossuet avec Adrien était un point de rassemblement. Que ça soit avant d'aller au rugby en regardant les Marseillais, mais aussi pour les nombreux apéros. Les voisins du dessous s'en souviennent peut-être. Il y a la proprio quand même, ce soir. Même partie du 115, certains ont instinctivement retrouvé le chemin de l'appartement depuis le FNK. Ce qui impressionne chez toi, c'est ta capacité à connaître tous les bons restos de Lyon, Paris, Marseille, bref, partout où tu es allé. Mais plus que cette capacité qui ferait passer un inspecteur du guide Michelin pour un amateur, c'est ta capacité à pouvoir te projeter sur le long terme, mais surtout ta détermination pour y arriver, qui sont remarquables. Je te crois quand tu me dis que tu seras à la retraite à 50 ans. 40. Au-delà de ça, tu es aussi une personne profondément généreuse avec tes amis, mais aussi avec ta famille et Camille. Camille, même si tu faisais pas de rugby avec nous, tu t'es fait ta place dans notre groupe à grands coups d'épaule, grâce à ton caractère bien trempé. Il va en sortir celui-là. Tu es franche, sincère, certains diront un peu trop, et patiente. Tu as longtemps supporté mon petit jeu de te renvoyer Léo bourré avec le petit supplément vomi du lendemain matin. Tu sais bien qu'on va encore faire les barbeaux une soirée de plus. Pour conclure, j'ai l'impression de vous avoir connu que ensemble comme une évidence. Vous faites partie des couples qui sont une source d'inspiration par l'équilibre que vous avez trouvé entre vous deux et votre complémentarité. Je suis honoré d'être un de vos témoins de mariage. Je vous aime. Merci beaucoup. C'est au tour de Viviane et Adrien. C'est dur. C'est dur. Le supplice s'arrête. Ça commence en plus, c'est lui. Ça va le pire. Pour notre fils. Notre fils. La troisième roue de notre carrosse. Quatrième. Mon cher Léo, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Je suis extrêmement heureux d'être ici. Et il n'y a pas très longtemps, tu m'as rappelé que j'étais né le même jour que ton frère. Ouais. Aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité de faire partie de ta famille. Et tu peux pas savoir à quel point je te remercie. Ma très chère Camille, j'ai eu l'honneur et la chance de partager avec toi une magnifique année dans notre colloque au 115 rue Bossuet. Je crois que j'ai réussi à apprivoiser ton petit caractère. Mais t'as toujours eu une force et une détermination qui m'ont toujours beaucoup inspiré. Je te trouve vraiment éblouissante.
et je suis très heureux d'être là. Il n'y a pas 115 façons de vous dire que je vous aime. Alors voilà, je vous aime. Encore pire. Ça va cracher. Il a un mouchoir ou il est plein, le tien? Un mouchoir, s'il vous plaît. Le mien est trop. Oh non, mais il est plein de morts. Je le pose là. Non, tu veux non? Non, mais là, je vais tenir. Respire, Camille. Désolé, c'est bon, c'est bon. Dans un premier temps, je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait de moi votre témoin. Je suis aussi très fière d'être la toute dernière personne qui a vu Léo célibataire, puisque c'est sur le trajet pour aller rencontrer Camille qu'il est passé me voir. C'est moi la dernière. Et il est passé me voir quand je travaillais en tant que caissière, je n'avais pas fait payer ses caleçons. Et j'espère que c'est ça qui l'a aidé à marquer des points. Donc je pense que c'est un peu grâce à moi qu'on est là aujourd'hui. Et les chocos, bon, il les a payés ceux-là par contre. Ah, il s'engage un peu. Donc voilà, ça fait des années qu'on se connaît et même si moi j'étais pas dans la coloc au 115, j'ai 115 millions de bons souvenirs avec vous. Donc merci pour tout ça et je vous aime aussi. Alors voilà, par contre, du coup, comme on disait, ça fait plus de 12 ans qu'on vous connaît aujourd'hui. Et c'est vrai, bah voilà, on voudrait chanter une petite chanson parce que malgré toute l'émotion qu'il y a ici, voilà, on sait aussi que. Et on faisait des petits moments un petit peu mielleux. Donc on a eu cette petite chanson qui nous a fait penser à vous. Allez, Philippe, Catherine. Juste pour compléter, c'est aussi parce que mes perspectives de mariage s'éloignent un peu plus chaque année. Celles d'Adrien, je préfère pas les évoquer. Donc voilà, c'est pour vous. Mon cœur. Mon amour. Mon amour. Mon cœur. Mon cœur. Mon amour. Mon amour. Mon cœur. Ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable. C'est un fil d'un mot. De mots doux à chaque phrase. Des rôles à qui j'avoue. Mon cœur, passe-moi la salade. Mon Lélé, t'as sorti Billy? Oublie pas le sac à crottes. Mon Mimo, tu fais un câlin. Mon Lélé, viens tourner sous mon doigt. Ma chérie, on fait un Guy Henson, ça. Coucou ma chérie, tu t'amuses bien en Australie? Je t'ai appelé il y a 5 minutes, mais ça répondait pas. Alors j'ai essayé, pour la 12e fois. J'ai tout pris, j'ai tout fait mon forfait. J'ai fait des cafés toute la journée, puis j'ai bien bronzé. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, mon adoré? Tu sais, Camille, ça fait qu'une semaine qu'on se connaît, mais je t'aime déjà. Je hais les coupes qui me rappellent que je suis seul. Je déteste les coupes, mais vous, vous aime tout court. Oh, 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 oh. Merci beaucoup, c'est très beau, très sincère. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Merci beaucoup. Bonne chance. Laetitia et Alicia, c'est à votre tour. Et je précise évidemment que Laetitia et Alicia sont les témoins de Camille. Camille. Elle pleure déjà. Oui, on m'a ouvert les barres. On dit souvent qu'une véritable amitié, c'est lorsqu'on la confond avec la famille. Plus qu'une amie, tu fais partie de notre famille à toutes les deux.
Ce lien, tissé au fil des années, de présence dans les bons moments, autant que dans les épreuves que la vie nous a parfois réservées, fait que nous te considérons chacune comme notre sœur, celle du cœur. Ensemble, nous avons vécu l'enfance, l'adolescence et notre vie de jeune adulte. Et quel bonheur de partager tous ces moments à tes côtés. Nous sommes si fiers de la femme que tu es devenue. Chaque étape de la vie, tu sais en faire une force. Et ceux qui te connaissent savent que derrière un caractère bien trempé se cache tant de sensibilité, de douceur et de bienveillance. À l'écoute de ceux qui t'entourent, tu te rends toujours disponible lorsque l'on a besoin de toi, quitte à te faire passer au second plan. Ta présence est précieuse et te savoir à nos côtés nous fait sentir plus fortes. Ces qualités que nous aimons tant chez toi, tu les partages avec Léo. Pour cela, nous savons que tu as trouvé la personne idéale pour t'accompagner dans tous les voyages de la vie. Chacun fait ressortir le meilleur chez l'autre. L'amour que vous nous portez, votre complicité et l'équipe que vous formez, tous les projets que vous portez ensemble nous rendent admiratifs. Camille, Laetitia et moi, nous sommes honorés que tu nous aies choisis comme témoins et comme amis. Et s'il est difficile de trouver des mots assez forts pour signifier ce que tu représentes pour nous, une chose est certaine, toutes les deux, nous savons que le chemin de notre amitié avec toi ne fait que commencer. Alors aujourd'hui est l'occasion pour nous de te promettre d'être toujours là pour toi et pour la famille que tu formes désormais avec Léo. On vous souhaite beaucoup de bonheur. On vous aime. Merci à tous. De notre côté, avec Dylan, on aimerait vous partager des souhaits. Et pour vous partager des souhaits, on a ce qu'on appelle les rituels du ruban. Je vais vous demander de vous tenir la main droite, voilà, ben, merveilleux, c'est bon. Avec ce ruban rouge, on vous souhaite la passion, la force et l'amour. Avec ce ruban orange, on vous souhaite l'encouragement et la bonté. Avec ce ruban violet, on vous souhaite la confiance, la joie et l'équilibre. Avec ce ruban vert, on vous souhaite la prospérité, la charité et la santé. Avec ce ruban doré, on vous souhaite la sentimentalité, la puissance et la pitié. La pitié pour les faibles. Avec ce premier ruban bleu, on vous souhaite la sagesse, le succès et la vision. Roule-le bien celui-là. Par un nœud. Avec ce petit ruban bleu, nous vous souhaitons la paix, la pureté et la méditation. Avec ce deuxième ruban rouge, on vous souhaite le bonheur, la romance, l'unité et la vérité. Et enfin, nous avons donc trop de rubans prévus. Avec ce ruban jaune, on vous souhaite la maison, la terre et le talent. Le talent, tu l'as eu de ta part. Maintenant. On reste comme ça ? Non, non, j'arrive. Jusqu'à ce soir. Ok. Si vous pensez... Échanger. Si vous pensiez, voilà, pleurer, avoir déjà pleuré, là, ça va être un peu plus compliqué. Dès l'heure, je crois, de joindre les mots aux actes, les actes aux mots, je vais vous demander de sortir quelques mouchoirs, voir le paquet. Je demande aux mariés de se lever et de rester debout. Je vais prendre les deux dans vos sacs. Vous allez vous faire face. On peut se mettre au pupitre, non ? Mais non, là, je vais rester là.
Quelqu'un peut remettre ma traîne? Alors, comment ça se met une traîne? Comme ça? Bah, tu fais comme ça. Voilà, ça fait ça toute ta vie. Donc chacun votre tour. Là, j'arrive. Vous allez réciter les vœux que vous avez écrits. Oui. Il va falloir un micro. Le temps que vous voulez. C'est bon. Là, je remets mon talon. Camille, micro bien menton. Micro menton. Ouais. Merveilleux. Bien. Alors. Ne me fais pas pleurer, s'il te plaît, ça va déjà être compliqué. Là, c'est bon ? Ok. Mon Mimo, malgré ces longs mois de préparatifs, cet exercice était sans doute celui que nous redoutions le plus. Comme tu le sais, exprimer mes sentiments et mon affection à ceux que j'aime m'est impossible au travers des mots. Encore plus, lorsqu'il s'agit de la personne que j'aime le plus au monde. Ça va tes commentaires, toi? Ah, c'est toi? Excusez-moi, les feuilles se tournent mal. Il y a une semaine de cela, quelqu'un m'a demandé comment j'avais su que tu étais l'homme de ma vie. J'ai été déstabilisée face à cette question, car jusque-là, je ne me l'étais jamais posée. Tant tout est évident, naturel. Il y a 10 ans déjà, nous nous rencontrions pour la première fois, à un âge où ni toi ni moi ne pensions vraiment à demain. La première fois que je t'ai vue, je me suis d'abord dit qu'un relooking allait être de rigueur. Bon, comme tu le sais, l'humour est ma meilleure arme dans ce genre de situation. Et puis... Et puis, ton regard s'est posé sur moi. Tu m'as souri. Et là, tout chez toi m'a semblé familier. Comme... Ça va le faire. Comme si nous nous étions déjà rencontrés dans une autre vie. Nous étions destinés à nous retrouver ici, aujourd'hui. La tendresse, la complicité et l'amour nous ont très vite envahis. La légende dit que tu es le premier à être tombé amoureux de moi. Au bout d'une semaine, comme Adrien a précisé. La réalité est que je l'étais déjà tout autant. Oui, il est temps pour moi d'enfin l'assumer, de mettre ma fierté de côté. Au fil des années, cette évidence s'est confirmée. À travers les épreuves, tu as été ma boussole. Ma lumière au bout du tunnel. Mais tu es aussi celui avec qui je veux fêter les succès. Et celui qui mettra à coup sûr le champagne au frais. Auprès de toi, j'ai trouvé... Pas pratique ces petites feuilles. J'ai trouvé l'amour avec un grand A, sans concession. Avant toi. Deux autres personnes m'ont aimé comme ça. Mes parents. Il paraît que nous recherchons nos parents dans notre moitié. Les repères d'un amour sans faille. En toi, j'ai trouvé ces repères. Comme dans les yeux de ma mère, j'ai l'impression d'être la 7e merveille de ton monde.
Comme dans les yeux de mon père, j'ai l'impression d'être protégée contre vents et marées. Quand j'étais enfant, je regardais la série Charmed, pour ceux qui connaissent. J'avais fait le vœu de trouver, comme Piper, un mari qui s'appellerait Léo et qui m'aimerait tout autant qu'elle. Julie, t'as la ref. Mon vœu est aujourd'hui exaucé. Dans la série, Léo était un être de lumière. Tout autant que toi, mon Léo. Tu illumines ma vie depuis toutes ces années. Ta gentillesse et ta bienveillance irradient ceux qui t'entourent. Tu es un ami sur lequel on peut toujours compter. Un fils aimant et dévoué. C'est chiant, c'est fou. Un mari dont toutes les femmes pourraient rêver. Je t'aime pour toujours et à jamais. Je fais ce que j'ai pu, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Que d'émotion. Oui. Je t'aime aussi. Camille. Prudence, rancune. Vraiment désolé, Peter et Colette, mais ces prénoms lui correspondent davantage. Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, j'étais loin de m'imaginer que ce jour arriverait. Tu avais tout pour toi. J'étais au bon endroit au bon moment. Après une rencontre des plus romantiques et des techniques de séduction à faire pâlir Will Smith, je suis immédiatement tombé amoureux de toi. Je te l'avoue au bout de 8 jours. Et comme tout le monde ici, tu trouves ça mignon, mais aussi un petit peu ridicule. La suite, une année marquée par une mononucléose, un départ en Australie dont notre jeune couple ressortira renforcé, plusieurs années d'études remplies de convictions et de doutes, mais aussi de voyages et de moments de joie. L'adoption en 2016 de Tupai et Patchouli, point de départ de notre amour commun des animaux, puis un déménagement à Paris pour concrétiser nos projets professionnels respectifs. S'en suivent quelques années difficiles, au cours desquelles nous avons toujours pu compter sur le soutien infaillible de l'autre. Un retour à Lyon, un 7e déménagement à 5 ans, et l'arrivée dans notre vie de notre Billy. Même si cela nous paraissait évident, c'est le 21 juin 2019 que nous nous sommes dit que toi et moi, c'était pour la vie. Et cette fois, j'avais bien regardé Hitch pour mettre toutes les chances de mon côté. Si tu es présente dans tous mes plus beaux souvenirs depuis 10 ans, depuis ces 10 dernières années, celui-ci restera ancré en moi à tout jamais, comme l'un des plus beaux jours de ma vie. Malgré la durée de notre relation, 2 ans de confinement, nous voulons toujours passer le plus de temps possible ensemble. J'ai appris à te découvrir grâce à ça, à t'apprécier chaque jour un peu plus. Ton caractère bien trempé, dont il a été beaucoup question aujourd'hui, cache de vrais trésors. Un cœur énorme, capable de donner tant d'amour. Une sensibilité à faire pleurer 120 personnes. Un engagement total dans notre vie de couple. Et surtout, une sincérité et une authenticité rares. Je n'ai pas peur de dire que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est avant tout devant tous ceux que nous aimons. C'est avant tout grâce à toi. Tu représentes tant pour moi, il n'existe pas de mots pour le décrire.
Alors parce que depuis 10 ans, tu me rends meilleur, mais qu'il y a encore du travail. Parce que nous sommes passés par tant d'émotions, mais que les meilleurs sont à venir. Parce que nous formons la meilleure équipe et que tu en es la meilleure partie. Je suis le plus heureux des hommes de joindre mon nom au tien. Je te promets de continuer à t'aimer chaque jour un peu plus, d'être à tes côtés à chaque moment de ta vie et de donner le meilleur de moi-même pour qu'elle soit la plus belle possible. Je t'aime. Merci. On me dit dans l'oreillette que le domaine de Valouze n'est pas un endroit si protégé que ça. C'est pourquoi nous avons fait appel à nos meilleurs agents secrets. Attention. Allez, voilà. Viens. Non, viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Mais non, attends. Change de musique. C'est bon, Finlay, la zone est sécurisée. Sacré pollen. Sacrées allergies. Allergie. Devant tout le monde, devant vos amis, devant votre famille. Et pas vraiment devant Dieu. Devant vous. Juste devant nous. Je crois qu'on peut à présent le dire, que vous êtes officiellement marié femme et que vous pouvez vous embrasser. Vous avez pas. Vous avez les alliances. Vous pouvez mettre les alliances. Et vous pouvez vous embrasser. Anthony, peut-être ce côté. Non, attends, c'est quand on sort. Il y a quelque chose maintenant ou pas? Il y a une idée qu'on peut y aller. Allez, faites vos bulles là. Ah oui, on va bien un petit moment. Pour la suite du programme. Oh, la musique.
Bon, déjà merci à tous, à tous ceux qui nous ont partagé tant d'amour et tant d'émotions. De notre point de vue, cette cérémonie était vraiment parfaite. Merci aussi à Dylan et Marine. Et bravo à tout le monde, vous pouvez vous applaudir. Maintenant, on va vous attendre à la sortie de la cérémonie. Il y a une séance photo de groupe qui est prévue. Donc, Cyprien a la charge d'appeler les groupes. Et nous, on vous demandera juste d'être réactif pour vous mettre en place. Et puis ensuite, on procédera au bouquet avec Camille. Et une fois qu'on a fait ça, on reste en bas pour le bouquet. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on montera à la piscine pour démarrer le cocktail à 17h. Bravo. Merci beaucoup encore à tous. Bravo. Et surtout, merci à tous pour toutes ces attentions que vous avez eues pendant cette cérémonie. Et j'arrête de pleurer, c'est bon. Vas-y, Akemi, on sort. Mettez-nous chacun de côté de l'allée. Alors la sortie, vous serez à l'instant et vous nous faites des tu viens? Vous pouvez faire des bulles. Faites des bulles. Faites des bulles. Faites des bulles. En fait, fallait aller là-bas. Si j'avais le droit de faire des bulles. Il est où le prochain? Bulle. Thank you.